Embarquement immédiat. Direction Saint-Pétersbourg, en compagnie de Karine Duchauchois, dans la ville que l'on surnomme la Venise du Nord, mais aussi la capitale du crime. Moi aussi, j'ai fait la une des journaux, pour des crimes que je n'avais pas commis. C'était Outreau, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je garde une passion pour les affaires de police et de justice. Pour la première fois, une équipe française a été autorisée à suivre la police de Saint-Pétersbourg. Au programme, règlement de compte, sexe, drogue et corruption. Ces mêmes gens qui sont censés nous protéger tuent des innocents. Les généraux de la police offrent des voitures à leurs fils et s'achètent des dachas valant des centaines de milliers de dollars. Plongez au cœur de cette mégapole pour en comprendre les mœurs et voir l'envers du décor. Saint-Pétersbourg, une ville en proie à la violence et à la montée des extrêmes. Ils sont de plus en plus nombreux à nous soutenir. Retrouvez un nouveau numéro exceptionnel avec Karine Duchauchois. Passeport pour le crime, Saint-Pétersbourg, dimanche 4 mars à 22h30 et mercredi 7 mars à 20h45 sur 13e rue.